Bonjour, mon nom est Richard Pichette. Ça fait depuis que le centre est ouvert que moi j'y participe. Je trouve que c'est un centre qui il offre beaucoup de services. Moi j'ai pris des cours de GPS, des cours d'exercice, des cours de pickleball. Il y a aussi des petits dîners qui offrent. Ça, c'est le côté social, on va dire. Dans le côté médical, j'utilise les services du médecin, de la garde malade, de la diététicienne. Vraiment, on est bien chanceux dans la vallée. Et je suis content qu'on l'a parce que c'est apprécié. Si on ne l'avait pas, le 66, on manquerait des services puis on manquerait des activités, on va dire, pour nous garder en forme physiquement puis mental puis entre autres. Ça fait 2 ans que je fais ma retraite. Je me garde occupé, on va dire, avec les activités du centre de santé ici à Hanmer. Les activités que je prends me donnent une sorte de cédule que, entre mots, il y a quelque chose qui se passe à 9h du matin un mardi. Alors je me lève le matin comme si j'allais à l'ouvrage, mais je m'en vais à une activité qui est bien plus plaisante. Encore les jeudis matin, il y a une autre activité, ça me fait me lever de la maison, puis sortir, rencontrer du monde, faire exercice, des activités comme ça. Alors vraiment, ça m'a vraiment amélioré la manière de ma pensée quand ça vient à la retraite, que c'est bien mieux d'être sorti en activité que d'être resté sur le couch à regarder la télévision. Je trouve que c'est très important que les services sont dirigés en français. Et quand ça vient au docteur, la diététicienne ou la garde malade, ils me comprennent dans ma langue maternelle. En vue d'activités ici, au centre de santé communautaire à Hanmer, les services sont gratuits. Il y a une cotisation de 5 $ qu'on a pour être membre. Alors, quand tu y penses que tu payes 5 $, puis là, tu as tout accès à toutes ces activités ici, ils sont là pour t'aider, ça vaut la peine.